C'est reparti pour ce deuxième round. Est-ce que les Anglais vont réussir à reprendre le dessus? On dirait que non, vu qu'on en est au sol. Encore un combattant d'Armored Combat Gloucester au sol. Coup de pied sauté de ce combattant bordelais sur son adversaire anglais. Les coups de juge s'abattent férocement et il tombe. Punch him out! Oh! Et c'est terminé. Encore une victoire 5 à 0 pour les Crowley. Et le combat s'engage entre les Anglais en noir et rouge et les Normands en jaune et rouge. Qui va l'emporter? Un Anglais est déjà en train d'étrangler un des Normands avec sa hache et il tombe. Et c'est un Normand qui réussit sa mise au sol, qui égalise. Le combat continue à 4 contre 4. Et double chute. 3 contre 3. Un Normand qui se dégage, qui charge. Mais il ne peut malheureusement pas faire grand chose. Le combat est très serré entre ces trois Anglais et ces trois Normands. Combat Gloucester et il se dégage. Des coups de fauchon dans les failles d'armure qui font mal. Difficile de dire qui va l'emporter, le combat est très serré. Guys, you need to work together, stop working on your own. Les arbitres déverrouillent le combat pour essayer de relancer un petit peu la dynamique. Ils recentrent les combattants.
Mais un Anglais retourne tout de suite attraper la liste. Johnny, come on, keep standing. Il reste 30 secondes. Johnny, duck out from it! Nice one, Lacko! Come on! Le temps réglementaire est bientôt atteint. Time! Et fin du temps réglementaire. Égalité 3 à 3 sur ce premier round. Qui va l'emporter? Les Normands ou les Anglais d'Armored Combat Ghoster? Chaque équipe est déterminée. Et on voit un Anglais qui tombe. Watch him out! Les Normands fouillent sur leur proie, tel des léopards. You two, talk to each other, come on! On n'a pas le droit de se relever. Les Normands sont toujours en supériorité numérique. Ils sont à 4 contre 3. Du côté des Normands qui écartent les jambes de l'Anglais qui finit par tomber les deux Anglais au sol. Et c'est la victoire de Jackson. C'est parti pour le troisième round. Verra-t-il la victoire de Dieksai ou verra-t-il Armored Combat Gloucester renverser la vapeur et nous offrir un quatrième round? Les Anglais en noir et rouge. Nice! Get him down! Un des combattants est coincé par une de ses pièces d'armure qui s'est imbriquée dans la pièce d'armure du combattant qui est tombé. Les arbitres donc les décoincent. Hey! Help him! Les Normands en supériorité numérique.
Les Anglais de Hamilton Badgester. On encourage bien fort les Belges, donc c'est le premier tournoi officiel. Double chiffre pour le moment, ils sont à 4 contre 4. Tout est encore possible pour les Green Bastards de Flandre. Et malheureusement, deux Belges sont tombés aussi. Yes, Jay! Allez, il y a un terrible coup de hache en ligne. Yes! Jay, for sake! Victoire 4-0 des Anglais de Armored Combat Gloucester. Preuve d'une grande vaillance aujourd'hui. On encourage bien fort les Green Bastards. Come on, Gloucester! Qui repartent avec eux face aux terribles Anglais de Armored Combat Gloucester. Un Belge au sol. Jake, watch your back! Et il est recadré, qui chute à son tour. Oh, le coup de hache dans les fesses qui fait très mal. Il aura certainement un gros bleu demain. Plus que deux combattants flamands encore debout. Le numéro 3 qui reste debout malgré tout. Victoire 4-0 pour Armored Combat, 5-0 pour Armored Combat. Merci pour le premier round. Et une première mise au sol réussie pour les Anglais de Armored Combat Gloucester. Alors le but est de mettre au sol tous les combattants adverses. Quand un combattant est tombé, il n'a pas le droit de se relever. La dernière équipe debout a gagné. Oh, nice one, Ollie! Come on, Chris, keep it up! Strike him, strike him! Come on, Matt! Whew. Look at that, that's bad view. Chris, hold on, it's 2v1! Hold on, Chris! Un des combattants anglais a perdu son arme, il est donc allé en récupérer une auprès d'un coéquipier, car il est interdit de combattre sans arme. Les armes, vous voyez, sont des répliques d'armes médiévales. Elles sont en acier et elles ne sont juste pas aiguisées. Come on, Matt. Come on, Matt. Car le but n'est pas de se tuer. Un sport de combat avec honneur et perte. Très belle mise au sol de ce combattant franc-comtois. Oh non, Marco! L'avantage et c'est terminé. Il ne reste plus qu'un. Oh, nice one, Jack. On voit Benoît Boucheville, le géant. Des coups de bouche à cet adversaire anglais. Vous voyez cette longue arme qu'il utilise, ses coups de bouche. Arme d'infanterie par excellence. Watch your backs!
Un Anglais est complètement écrasé dans un coin de la lice. Il est très proche de tomber. Attention à Benoît Mougeville qui se fait attaquer par derrière. Battle of the brain cell over here. The other brain cell. Un Anglais est au sol. Oh no! Alright, Jack's down. Très belle mise au sol réussie par Loïc Delval. Is that Matt down? Les coups de pied, voilà, pour fausser les jambes de l'adversaire et le faire tomber. Les Français sont en net avantage numérique. Plus que deux Anglais. Et c'est fini. Il ne reste plus qu'un seul Anglais. L'arbitre interrompt le combat. Et c'est une victoire 5-0. Le combat s'engage entre deux équipes britanniques qui jouent pour maintenant se placer le mieux possible. Mise au sol réussie par Primus, Primus qui est en blanc, Armored Combat Gloucester en noir. Le combat fait rage entre ces deux équipes amies, bien sûr, puisqu'ils ont l'habitude de voyager ensemble sur de nombreux tournois en Europe. Les tournois de Beyour ont lieu un petit peu partout en Europe et même dans le monde. Il y a plus de 40 pays qui pratiquent le Beyour et qui se retrouvent au championnat du monde Battle of the Nations tous les deux ans. Primus qui prend un net avantage sur ce match. Oui, les arbitres qui prennent des risques à être dans la lice pour faire de leur mieux, pour faire respecter les règles et assurer la sécurité des combattants. Ils sont au plus proche vraiment des combats. Abandon de Armored Combat Gloucester. C'est donc la victoire de Primus. Oui, Nice, des combattants que l'on a déjà pu voir ce matin dans 5 contre 5, mais il n'était pas aperçu. Il voulait combattre encore. Les voici en combat. Donc Charlemagne et l'alliance de Martel et de Ferraci Quagna. Les arbitres sont les meilleurs. L'alliance Martel, Akiba, Ferraci Quagna, pardon. Donc ils sont en bleu et bleu et bleu. Saint-Georges réunit les équipes anglaises et le nom complet, c'est l'Orga en Voilà. Les avantages pour Charlemagne. Oh, mais voir là, arrête de taper tes potes, putain. Le match est très fait. Les 12 contre 12 ont été lancés pour Charlemagne. Le match dans lequel on voit une petite voix. Change de main, voilà. Allez maintenant, prends ton temps et tape. Ah là, c'est mort. Allez, tu te fatigues, c'est mort. Saint-Georges, voilà, là. Et rien de jouer.
Et Rémi, arrête de tenir, fous-le par terre maintenant. Allez, allez. Maintenant, plie-le. Jérémy, plie-le. Plie-le, putain. Jérémy, ton bras droit, derrière sa tête. Il est très bien derrière. Les forces semblent s'équilibrer entre les deux équipes. Vas-y Aurel, tu tiens. Vas-y Aurel, tu tiens, ça se passe bien, t'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, tu tiens. Ouais, c'est bien. Vas-y, t'as les deux costauds sur toi, les restes. Ils vont faire le taf. Vas-y, tiens. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. On est supérieur, c'est bon, vas-y. Vas-y, Benoît, vas-y, travaille. Allez, voilà, vas-y. Allez, allez Benoît, tu le tiens, lâche-le pas. Allez, appuie, utilise ton poids. Pivote-le, pivote-le. Vas-y, pivote-le. Allez, t'arrêtes. Vas-y Benoît, gère-le, je vois pas passer. Tu vas, t'es meilleur que lui. Allez, travaille. Allez Loïc. Allez Benoît. Attention, ce combattant a l'air très déterminé à faire des ravages avec sa lame. Allez Loïc, tape dessus. C'est passé quoi? C'est que Joanne a tout à l'heure. Ouais, t'as vu son bras? Ouais, il est ouvert à deux. Il a tout perdu là au-dessus là. Là il a peut-être pas récupéré. Hein? Il a peut-être pas récupéré le bouton d'or. C'est dégueulasse. Et l'alliance. Un premier round remporté par les Français. Malgré une lutte opiniâtre de la part des Anglais. Allez les gars, allez! Qui reviennent maintenant à la charge. Les Anglais ont une fois plus réussi à pousser
les Français au fond de la liste, qui est leur stratégie habituelle en quelque sorte, pour tenter de les bloquer et les empêcher de manœuvrer. Oh, très joli mise au sol d'Adrien Bedeau. Adrien Bedeau qui est maintenant libre de ses mouvements. Qui repousse ses adversaires avec beaucoup de force. Oh, le mise au sol réussi. Très très bien joué d'Adrien Bedeau. Alexis Moine qui est en excellente forme. Et un nouvel abandon du côté de l'équipe anglaise. Le white flag. Et victoire de l'Alliance Charlemagne contre Saint-Georges.